Impressionnant. Story 125 CR 2003, partie 2. Là, je filme. Ouais. Bon, deuxième partie. On finit de monter le moteur. Donc voilà, il nous reste l'allumage à monter, l'embrayage, le kick, pignon qui entraîne quand le kick entraîne l'embrayage pour démarrer. Voilà, les joints neufs, le piston. Alors on a vérifié le jeu qu'il y a quand on met le segment dedans, qui est donné entre, ça c'est hyper important, 0,15 et 0,23, parce que si tu as moins de 0,15, il va se dilater, il va forcer et tu peux serrer. Donc nous on a vu, voilà, le 15 il passe, donc c'est bon, avec un petit jeu de cale comme ça, tu le passes. Tu mets ton segment, tu le pousses avec ton piston comme ça, tac, et tu viens mesurer là le jeu que tu as au niveau, voilà. Là il faut que ça passe, tu vois, 15 ça passe facile. Donc j'ai le bon dilatement par rapport au segment, donc on est bon, voilà. Le piston d'avant, c'était un 53-92. Comme on n'avait rien pour mesurer le jeu entre cylindre piston, on a fait ça à l'ancienne. Entre ça... Mais bon, ça se trouve, il n'y en a pas. Je crois que c'est la dernière, là. Il est en plusieurs étapes, CR98, tu vas sur sa chaîne. Il y a plusieurs étapes. Bon, j'ai flippé, je croyais que ça rentrait pas sur le vilebrequin. Bon là, hein, il n'y avait pas de colle, on va pas en mettre. Non, la vidéo, j'en ai besoin pour... Donc ça... Le kick, là, j'hésite. Donc ça, c'était comme ça. Big up à vous deux, les gars. Vos commentaires ont trop fait plaisir. Voilà. Je crois. Le problème, c'est quand je me mets comme ça, j'ouvre le pour une cale. On les a brûlés, les cales de bois. T'as trouvé, ça y est? Quand on cherche, on trouve de toute façon. Oui, voilà, donc tu avances à l'étape où nous on en est. Encore plus loin. Tu vois, c'est quand il monte la boîte. Donc là, tu vois, voilà, lui, tu vois, il fait un pré-serrage. Tu vois son truc que je te disais? Ok, il met le truc. Voilà, le kick. Et quand on veut démarrer la machine, bam, et puis rien. Ça, celui-là, c'est assez simple, c'est pas comme les Ipsis où il faut les rebander, machin, c'est ouais. Relativement simple. Donc, elle est où la petite truc que j'ai faite là? Voir si ça marche. Donc, imaginons, je veux serrer ça comme ça, ou je la mette là. Voilà. Donc là, tu mets une douille de. Merde. Tiens, bah, là, t'as la douille nickel. Ben, il me faut les forces de serrage maintenant. Non, la rondelle, elle vient là. Alors. Bon, la grosse, ok. La petite, elle va là après. Genre, celle-là, là, ici. Non, mais t'as pas compris. Non, c'est toi qui as pas compris. Non, tu as. Moi, je veux voir une vue d'ensemble. Ok, ok. Grosse rondelle. Grosse rondelle, ok. Petite bon, rondelle. En fait, bah, tu la vois où? Là, ça là. Celle-là. Ah, pour toi c'est une rondelle, oui, ça. Oui, ça va dessous. Même l'arrière, il y a la marque de toute façon de la rondelle. Ok, bon,
Marius, il a dit que ça allait comme ça. On va l'écouter. Comme ça, on se le serre, là. Bah ouais. On la pince. Parce que moi, je calcule à mettre mon outil là où c'est le plus solide par rapport à cela, à ça, là. Moi, je préfère bloquer là qu'au piston. Oui, moi aussi. Enfin, on fait un peu flipper, mais bon, ça fait confiance. Bah, c'est de l'alu. Ah, si, regarde. 64 newtons. Donc 64, voilà. T'as intérêt à le tenir, le moteur, parce que 64, c'est beaucoup. Donc là, pour forcer, on va le positionner comme ça. Attends, il va falloir que je passe ma petite cale là, qui va bien. Le kick, on mettra plus... Non. C'est tout ? Donc là, je vais serrer. Donc là, on a dit 69. Ouais. Donc c'est de ce côté, j'ai dit. Hein. Non, de ce côté-là. C'est avant, et là, ici, c'est après. Ok. Comme ça, hein ? Ouais. Bon. Donc, de toute façon, oui, tu tournes. Ok, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, l'outil maison. Il est là. Fais main. Donc là, l'objectif, c'est de tordre ça. Ok. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Bon, voilà. Donc là, tu vas pouvoir t'amuser à remettre les disques. Donc les disques, bah attends, mais tu les laisses. Il y a un et une cale entre. Un et une cale entre. Voilà, allez. Bon, on est bon, on est bon, on est bon. Là. Je le sens qu'on est bon. On met la babarre. Je pense que c'est comme ça. Ouais. Et je pense que ça. Le truc là qui vient là. On met comme ça, c'est ça ? Yes. Voilà. Ouais, ouais, c'est comme ça. Ah ouais, tout con. Comme ça. Mm. Ok. On va faire ça, je dis ça. C'est 10 newtons, les petites vis là. Donc là, t'as vu, t'as un roulement aussi. Celui-là, il peut sneaker. T'as vu comment il est ? Ah ouais, mortel. Tout petit roulement. Ça mérite un peu. C'est... Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu embrayes, tu... Ouais, ça... KTM, je crois que c'est pas comme ça, je m'en rappelle plus. Donc tu vois, ça, ça serait peut-être un roulement à changer avec cette rondelle. Parce qu'elle est un peu à l'ancienne, toi. Non mais arrête, c'est l'huile de boîte qu'on devrait mettre là, Marius. Bon, c'est pas grave, après on va bidonger. Ah, là, sur l'autre, je m'étais fait niquer, elle avait un emplacement. Est-ce que celle-là a un emplacement ? Tu te rappelles ou pas ? Si, si, je m'étais fait niquer, ça marchait pas partout. Il y avait une flèche sur la M6. J'ai pas de marque de mon côté sur la flèche. Bah moi non plus, mais on sait qu'elle appuie pas. Ah oui, parce que je dois être embrayé. J'embraye, je débraye. Ok. Vas-y. De la
Voilà, c'est bon. Donc force de serrage. 10. Franchement, c'est bon, allez, moteur de serre, c'est simple. Je vais voir la truc. Plus simple qu'un M6. Aiden, tu... Hein? C'est l'air, je fume une clope. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, la pause clope, elle a duré 5 heures. Parce qu'en fait, on n'avait pas fait gaffe, mais le kick, il ne se tendait pas à cause du ressort. En fait, le petit trou qui se trouve sur la barre, il était là. Donc, on a redémonté, on l'a remis au bon endroit. Maintenant, sur la revue technique, on n'a pas vu exactement où il faut le mettre. Donc, si quelqu'un sait et qui voit la vidéo, bah, dans les commentaires, il peut nous dire si on l'a bien mis ou pas. S'il n'est pas ici ou là, nous, on l'a mis là. Voilà. Bon, OK. Attends, je vérifie un truc. OK, parfait. Bon, moi, on va monter le piston. Voilà, les valves d'échappement. Ça ouvre, ça ferme. Piston. T'as bien huilé le joint, ouais. Comme neuf. Tiens, ça, tu peux la tremper dedans, carrément. Voilà, les deux clips. Je la mets dans le vélo. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, je vais mettre le clips de ce côté-là, donc je vais mettre celui-là en premier. Là, tu veux, il faut absolument que il soit dans la rainure. Parce que sinon, il sort et après, t'as plus de piston et t'as plus de cylindre. Et tu pleures. Voilà. Donc, moi, je me sais plus, j'avais vu sur une vidéo comme quoi la fente, il fallait qu'elle soit vers le bas. Sinon, si elle était là, il pouvait arriver à s'écraser en montant et en descendant et à sortir. Si j'ai tort, bah dites-le moi. Ça m'intéresserait. Vas-y, passe, je mets le piston. Hein? Donc, pas de blague, la flèche vers l'échappement. Voilà. T'as mis gavé d'huile là sur le bordel là. Oui, oui. Tu rentres doucement. Ça y est, il y est. Toi, vérifie avec tes yeux, puisque tu en as, si vraiment le clips que je viens de mettre tout à l'instant est vraiment bien dans la gorge. Parce que s'il n'est pas vraiment bien dans la gorge et qu'il s'en va, j'aurais en travers de la gorge. Ouais. Bah, si quelqu'un sait dans les commentaires, dites-nous si c'est bien vers le bas qu'il faut mettre le... Alors je m'explique. Il est où? Il était là.
Eh oui, voilà, je l'ai mis là. Voilà. Moi, on m'a dit que s'il était comme ça, en montant et en descendant, il pouvait s'écraser et sortir. Donc, on m'a conseillé de le mettre comme ça. Voilà. Donc, si quelqu'un en sait plus, bah, ça nous intéresse de savoir. Donc, voilà. Bon, allez, on met le clips. Ok, donc vers le bas. Je comprends pas. Putain. Je pousse un peu. Bien vérifier que le clips il soit dans le bordel, sinon bah il s'enlève et tu serres et tu pleures. Bon, voilà, donc la lettre vers le haut. Y aller la flèche vers l'échappement, très bien. Voir, je vais en mettre un peu aussi dans le cylindre. Ah, mais en pas qu'un peu. Tu lubrifies tout le cylindre. Vas-y. Puis là, le truc pratique, c'est que tu as vu, regarde cette jupe, elle est plus longue de ce côté-là, donc du coup, tu peux caler. Tu mets ton. Tu vois, tu le mets là, ok, il y a le, tu le cales avec la jupe, tu serres, et normalement, voilà, il est passé, tout doucement. J'ai pas encore rebranché la valve. Donc là, celui-là, je vais pas pouvoir le serrer à la force. Hein. Donc on va faire à l'ancienne. Voilà, on rapproche. Voilà. Ok. Je juge. Ouais, ok. Tiens. On serre. Allez, c'est bon. Bon, montage de la valve. Sur la rue technique, j'ai vu qu'à peu près, il fallait que la valve soit là pour correspondre. Donc je la mets plus haut. J'enfonce. Tac. Voilà. Pour moi, elle a la bonne hauteur. Je tiens la valve. Voilà, c'est bon, et là, voilà, la valve correspond, on est bon.
pas. Et si quelqu'un voit la vidéo, ben, on n'a pas trop compris la valve. Donc je pense qu'à l'arrêt, elle est là. Sur la revue technique, en tout cas, c'est comme ça. Donc si quelqu'un peut nous en dire plus, par exemple, on sait que sur les KTM, on peut jouer ici pour l'ouverture de valve. Donc si quelqu'un sait comment on joue sur l'ouverture de valve, bah, il peut nous faire signe. Donc voilà. On met les boulons. Donc ça, ça va là, comme ça, là. Ça va dessous ou comme ça, par-dessus? Par-dessus. Là, faut pas tomber. Ah non. Non, non. Par-dessous? Ouais. Oui, voilà. Ça. Ça, et il y a un clips. Alors, vers le bas, non? Alors ouais, bizarrement sur la revue technique. Bon, ok. Donc là on est bon. Bon, franchement, le moteur était simple. On a galéré quand même pour le kick. C'est simple, mais que c'est le kick, il a fallu redémonter l'embrayage parce que le kick, en fait, il n'était pas positionné, le ressort comme il fallait. Comme je vous ai dit, on l'a mis là. Mais sur la revue technique, pareil, on n'a rien vu, on comprend que dalle. Donc si quelqu'un y sait, il nous le dit. Photo ou... Voilà, on n'est pas des pros, on fait comme on peut. Donc là, on est bon. On a resserré les carters. Le kick est bon. Le petit clip, c'est comme je l'ai dit. Donc, vas-y, on peut... Voilà, bon bah, tu peux refermer le carter de valve. Alors attends, je crois qu'il y a ça. Donc, le tout petit, il va là en bas. Okay. Tac, on ferme le valve. Le joint, il sort bien, ouais. Donc, long, long. Bon bah voilà, allumage et si je dis pas de conneries, on a fini le moteur. Vas-y, regarde. Bah, si je vais réussir moi là. Ah ouais. Ça compresse hein. Bon voilà. Voilà le boulot. Prochaine étape, on le met dans le cadre. Allumage. Et on monte l'allumage. Voilà. Bon bah c'est toi qui range. J'en peux plus. Bon. Moteur dans le châssis. Honda sur le bout du garde-boue là. Aïe aïe aïe. ABC, I'm a young kid here.
Ok. CR a l'air de marcher du feu de Dieu. Maintenant, on va lui faire un bon rodage. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à surtout pas mettre de pouce bleu et surtout pas t'abonner. Parce que tu sais quoi ? On risque de faire des vidéos encore plus pourries que celle-là. Allez, ciao les gars.